Bonjour, vous ne me connaissez pas. Je suis Elisabeth. Mon mari et moi, nous avons une affaire délicate. Nous aurions besoin de vous. Je peux savoir qui est votre mari? Et qui vous êtes, en fait? Je préfère ne pas entrer dans les détails au téléphone. Venez nous voir, nous vous expliquerons tout. Je vous l'ai dit, c'est une affaire assez délicate. Pourquoi vous faites appel à moi? Il y a une raison particulière? Vous m'avez été recommandé. Et par qui? Je préfère ne pas le dire au téléphone. Pourrions-nous nous rencontrer pour aborder les détails? Ouais, on va faire ça. Je vous envoie l'adresse. Au revoir. Nous venons de recevoir une dépêche de dernière minute. Une navire de Kentao s'est écrasée aux abords de Night City. Les propulseurs de l'appareil ont été désactivés par une décharge d'IEM émise par une centrale accidentée de Santo Domingo. La procédure d'atterrissage d'urgence n'a malheureusement pas fonctionné. Les survivants du crash ont été interceptés par un groupe de nomades. Heureusement, le personnel de sécurité survivant de Kentao est parvenu à repousser l'attaque sans essuyer de pertes supplémentaires. L'entreprise a d'ores et déjà annoncé de fortes représailles. Qui voilà, un client. Satisfait, je suis. Oui.
Salut, V. Maiko m'a appelé. Avant le coucher du soleil. Devant la méga-tour. Tu seras là ? Ouais, bien sûr. Ok, à toutes. Pour la population locale et les nouveaux arrivants, et le niveau de criminalité étonnamment bas. Les habitants d'Antarctique profitent d'un taux de meurtre de seulement 0,05. Alors. Vous êtes V ? Montez dans le véhicule, je vous prie. Ok. Bonjour V, je suis Jefferson Perlez. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Ravi de vous rencontrer, monsieur Perlez. Madame Perlez ? Sacré Lise, ma femme a un don pour juger les gens. Elle m'avait dit que vous conviendriez. Je vois pourquoi. Alors, vous avez quoi à me proposer ? Carter, en route. Elisabeth ? Eh bien, vous le savez sûrement, le maire Lucius Rhine est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi, et tout ce qui peut être utile. Tous les médias en ont parlé ? Oui, ils en ont fait leur chou gras pendant des semaines. Les affaires de ce genre les font vivre. Et vous croyez qu'ils ont raté quelque chose ? Nous avons des raisons de le croire, en effet. À ce que je sache, l'affaire a été classée. C'est exact. La police a conclu à une mort naturelle, bien sûr. Rhine est décédé chez lui suite à une défaillance de son implant cardiaque. Mais cela n'explique pas l'attaque du cyberpsycho à la mairie, quelques jours plus tôt. D'après la police, les deux incidents ne sont pas liés. Vos soupçons ? Ils n'auraient pas quelque chose à voir avec la prochaine élection, par hasard ? Si, bien sûr. Si Lucius Rhine a été assassiné, nous voulons le savoir. C'est même nécessaire. Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés ? Vous avez des preuves ? Peu avant sa mort, Rhine a fait des coupes dans le budget du NCPD.
Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Notre chef de la sécurité l'a analysé, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il nous faut un vrai éditeur de danse sensorielle. C'est une déesse brute. La déesse doit être remise à sa place, aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. Vous la sortez d'où, cette déesse ? Rhein faisait une apparition en public. Tourner une déesse est la procédure standard pour ce genre d'événement. Après l'attaque, le NCPD a ajouté cet enregistrement aux preuves. Il a fallu tirer pas mal de ficelles pour le récupérer. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Tout ce que vous trouverez, permettant de lever nos doutes, sera le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je me demande plutôt ce que tu fous là, toi. Eh, c'est aussi mon cerveau, non ? Et que je vous reprenne pas à mater les filles, c'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est qui, ce Holt ? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clowns. C'est la deuxième conférence en trois jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Race est-elle prête ? Oui, bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Le Red Queen's Race, ce nom te fait pas percuter les neurones ? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant « qu'on leur coupe la tête !» Tu peux dire « j'en sais rien » au lieu de raconter des conneries. Laissez-moi, je dois répéter. Bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano. Attendez ici. Arrêtez-vous ! River Ward, NCPD. Un flic ? On le laisse entrer ? Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Merde.
flic voulait vous lui dire... Vous lui parlerez après la conférence. Ouais, enfin il était surtout là pour lécher le cul de Rhine. Cet air, il me dit rien. Quel air? Est-ce qu'il fredonne? Moi, j'appelle pas ça un air. Il aime bien, en tout cas. On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la morgue, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça, ou tu racontes encore de la merde? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils partout. Ok, donc tu racontes de la merde. Après la conférence. Le terminal a planté juste au moment où il passait le contrôle. C'était pas un bug accidentel. Ah, j'ai vu des coïncidences plus bizarres. Comme ? S'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit, et découvrir qu'elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Ça t'est vraiment arrivé ? Non. Mais ça aurait pu. Tiens, tiens. De suspect, ou bien nous sommes juste paranoïaques? Bien, nous reprendrons plus tard. Vous voilà, fantastique. Je préfère pas m'emballer trop vite. On n'a pas grand chose, alors... C'est trop tôt pour le dire. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions? La conférence, c'était pourquoi? Aucune raison particulière. Rhine aimait le son de sa voix et se voir à la télé. Vous voyez le genre. Si je me souviens bien, la raison officielle était la baisse des crimes violents à Night City. Rhine voulait s'en attribuer le mérite. Attendez, une baisse? Rhine a reclassé Pacifica comme quartier indépendant. Les statistiques de cette partie de la ville ne comptent plus. Pas con. C'est qui, Holt? L'adjoint de Rhine et son chien de garde. Il se présente à la place de Rhine, maintenant. Le Red Queen's Race, ça vous parle? Désolé. Je n'ai jamais entendu ce nom. Le flic qui a sauvé Rhine. Vous avez des infos sur lui? L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. À part la sécurité de Rhine, quelqu'un d'autre a accès au terminal? Le NCPD. C'est tout. Les minions du maire, ils sont du NCPD? Non, Holt les choisit lui-même. Ils travaillent tous pour une corpo. Mais certains sont d'anciens flics. Eh ben, Ward est arrivé au bon moment. Soit il a une veine de cocu, soit il a de bonnes infos. Il va me falloir un peu des deux. C'est certain. J'ai ses coordonnées. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Did you?
l'appareil. Habillage l'honneur. Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Rhine. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Écoute, je sais que t'as tenté de prévenir Rhine à propos du cyberpsycho. Et tu sais quoi d'autre? Que ce serait bien qu'on se rencontre. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. J'arrive tout de suite. Quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Je me demande de quoi. Toi, River Ward ? En personne. V, c'est ça ? Mon équipier, l'inspecteur Han. Ok, merci d'avoir accepté de me rencontrer. T'as vraiment l'intention de bosser avec un merc ? J'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort de Rhine. T'es encore sur ça ? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu me vois faire quelque chose, là ? Je bois juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite, de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille, au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. L'inspecteur Han n'est pas fan des Edge Runners, on dirait. Le prends pas pour toi. L'inspecteur Han n'aime pas grand monde, à part sa fille. Est-ce que tu voulais me parler ? Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhine, leur transmettre une info. C'était quoi ? J'ai une question avant. Pourquoi tu fourres ton nez là-dedans ? Qui t'a engagé ? C'est Liz Perales qui m'a engagé. Et son mari, Jefferson. Quoi ? Le candidat à la mairie ? Ça, j'aurais vraiment dû le voir venir. C'est quoi ? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je suis garé juste dehors. Ok, très bien. Thank you.
gars du commissariat ont repéré Horvath, du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué qui ? Peter Horvath, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Alors tu t'es dit qu'il était dangereux et t'as décidé de prévenir le maire. Comme ça. Juste parce que... t'as bon cœur. À t'entendre, on croirait que je devrais avoir honte. Non, pas honte. C'est juste que... on voit pas ça tous les jours. Tu dis qu'il s'est perdu ? Comment c'est possible ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes... non, je sais pas qui. À mon tour. Pourquoi Perales s'intéresse à ça maintenant ? Et pourquoi il fait ça en douce ? Sans en parler à la police ? Ah, Perales a peut-être juste peur. Il veut pas du poste d'un type qu'on vient d'emmener les pieds devant. Moi, j'en voudrais pas. À mon avis, Perales essaie de salir Holt. Il croit que Holt est impliqué ? Je sais pas, mais même s'il l'est pas, l'assassinat d'un maire, ça la fout mal pour son adjoint. Le Red Queen's Race. T'en as entendu parler ? Tu sais ce que c'est ? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhine ? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort. D'accord. On va aller voir mon indique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être. Après, on ira voir la femme pour qui bossait Horvath. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. On n'a qu'à parler à ton indique. Le club a une meilleure piste. Ok, ça me va. Dick bosse ici. Va lui parler. Moi, je t'attends dehors. Dis-lui qu'Igor le salue. Il comprendra le message. C'est qui, ce type ? L'heureux propriétaire. Il a un tas de clients et il est du genre curieux. Alors il sait tout sur tout le monde. En plus, c'est un trouillard. Le combo gagnant. C'est ton indique. Il me connaît pas. Ouais, mais la dernière fois, ça s'est pas très bien fini pour lui. Les gens qui l'a balancé l'ont appris. Je pense que t'auras plus de chances de le faire parler que si c'était moi. Sans violence, je veux dire. Ok, attends ici si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches ? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis ? Dans les deux cas, je peux t'aider. Je cherche un club, le Red Queen's Race. Si j'étais toi, je chercherais un endroit plus accueillant. Commence déjà par le Lidzi's à Kabuki, ou le Cloud dans Japantown. Je veux une adresse. Écoute, dans ce club, on rentre que sur invitation. Si t'as pas l'adresse, c'est que t'es pas invité. Igor te salue. Non, putain ! J'ai dit que j'arrêtais ! C'est fini ! Foutez-moi la paix, putain ! C'est pas compliqué. Putain. Salut, Neil. Va chier. Du calme. On a juste une question à te poser. Y a rien à voir par ici. Allez, dégage. Foutez-moi la paix, ok ? Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Le Red Queen's Race. Donne-nous l'adresse et on disparaît. On m'a déjà dit ça la dernière fois. Et puis ces enculés se sont pointés, ils m'ont pété tous les doigts. Ça, c'est parce que j'étais pas là. Personne te fera rien cette fois, crois-moi. Si on nous le demande,
On dira qu'on a trouvé l'adresse sur un corps repêché dans la baie. Non, d'accord. C'est en dehors de la ville, près du fleuve. Du côté de Bonita Street. T'y es déjà allé ? J'y ai déjà amené des trucs, de la marchandise, et des gens parfois. Mais je vois pas bien ce que vous voulez aller foutre là-bas. Le club est vide. Ils l'ont fermé. Fermé ? Avant ou après la mort du maire Rhine ? Un peu après, je crois. Merci, Neil. Oh, putain, j'ai pas de bol ! Bon, bon, ben voilà. On dirait bien qu'on avance. C'est prometteur, mais on devrait quand même passer au marché. Quel marché ? L'employeuse d'Orvat, celle dont je te parlais. Vaut mieux pas laisser cette piste de côté. Ok, on va faire un tour à ce marché. Du coup, on prend ma caisse ? Ça marche, merci. Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Mais ça, tu le sais déjà. Faut reconnaître, t'as un don pour ça. Et les 10% restants, ça consiste en quoi ? Écrire des rapports. Alors on est censé parler à qui, au juste ? La patronne du cyberpsycho, c'est ça ? Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V. Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. Bien. Christine Markov, on a des questions. Vous êtes flic ? On cherche des infos sur Peter Horvat. Il bossait ici, apparemment. Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Il se comportait bizarrement depuis quand ? Bizarrement ? Ça veut pas forcément dire grand-chose quand on parle de Peter. Il a jamais été complètement normal, ce type. Mais en sortant de prison, c'était plus le même. Toujours aussi dingue, mais plus de la même façon. Horvat gagnait bien sa vie ici. Il aurait pu acheter tout ce marché avec le chrome qu'il avait sur lui. Ouais, il palpait à max ici. C'était un putain de millionnaire, comme nous tous. D'où il a sorti ses édits alors ? Une idée ?
Écoutez, si je le savais, je serais pas là à vendre du scope à des toureux. Je m'achèterais une navi et j'emmènerais mon petit cul loin d'ici. Un jour, Peter s'est pointé avec tout ça. Super excité en plus. Il était dans un tel état que je lui ai demandé d'où ça sortait. Il m'a dit que quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Après, il s'est lancé dans une de ses tirades habituelles. Il racontait quoi, dans tous ses discours ? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait Homer ? Ah, vous voulez comprendre un dingue ? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Orvat, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Il n'y avait aucun lien entre eux ? Réfléchissez bien. L'argent facile, c'est ça qui intéressait Horvat. Il n'a pas fait de la prison pour rien. Il bossait pour des gens réglo, et d'autres moins. Ryan et lui avaient peut-être des amis communs. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Horvat avait des soutiens. On aurait dû s'en douter. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein ? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident ? Coïncidence ? Ou du poison dispersé dans l'air ? Un meurtre ? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça ? Non, j'ai inventé. Mais c'est quand même vrai. Ah, super. Laisse-moi régler ça, V. Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil ? Allons, allons, messieurs. Hé, hey, on se calme. Wardon, こいつ は 何 者 なん だ なかなか いじめがいのありそうなやつじゃねえか Allez, le clown. Saute. 今回は見逃してやるよ。だが、次はないからね。バラベタ putain de caisse。Promener avec toi, carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers ? Je suis flic. Qu'est-ce qu'à t'espérer ? C'est bien qu'il n'y ait pas eu de mort. Ça fera moins de paperasse. Bon, le Red Queen's Race maintenant. Alors, je t'emmène ? Je te retrouve là-bas. Ok pour moi.
Salut. C'est le territoire des Animals. T'as une ruse de flic pour leur parler? Gratte-leur le ventre et protège bien ta gorge. Ah, ah. On n'a pas de mandat. Tu vas devoir te débrouiller. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Dégage. Y a rien à voir ici. Un garage, tout ce qu'il y a de plus normal. Le club est là. Je le sens. C'est... ton intuition de flic qui parle ou quoi? On peut dire ça. Je me suis fait repérer! Ok, bouge pas, j'arrive! Oh! Je vais lui arracher la tête! C'est trop mieux pour ces conneries!
Attaquez le port de mouvement. Il est presque mort. Écrasez-moi cet enculé. En général, il a trop peur. Alors, le club est dans le coin. Dans le garage, je suppose. Ou bien en dessous. Thank you.